Et alors, comment s'est passée votre collaboration avec Renan Luce? Bah, très bien. Très bien, je m'excuse pour lui qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Voilà, il a des très bonnes raisons, mais en tout cas, il pense bien à tout le monde et il aurait vraiment aimé être là. Et c'était super de bosser avec lui, c'est quelqu'un de génial. Super, bon, on a entendu son bisou, on lui rend avec grand plaisir. Et puis alors, une dernière question, c'est la première édition du Comic Con Paris. On est tous comme des fous. Vous, est-ce que vous l'avez vécu d'une manière particulière, ce Comic Con? Mais moi, je suis trop contente d'être là parce que bon, je suis une vraie geekette et voilà, une grande fan de tous les super-héros, et Star Wars, et Game of Thrones et tout, et de Big Bang Theory. Et à chaque fois dans les épisodes, je les vois aller au Comic Con et je me dis, putain, ça a l'air trop cool. Et donc voilà, je suis contente que ça arrive à Paris et je suis super flattée d'être invitée. Voilà. Ben merci en tout cas de prendre quelques minutes pour être sur ici le plateau de Cartoon Network et de Canal Stat. Alors, juste avant d'acheter, j'ai juste une petite fille qui est arrivée très tôt ce matin. Elle a fait un long voyage. Son papa est corse, hein, attention. Et elle me dit, mon idole, moi, c'est pas Star Wars, c'est Anaïs Delva. Oh, c'est la première, c'est Gabriel pour toi.